Bonjour à ceux qui rejoignent. Toujours aussi prêt. Bon, je sais que c'était le week-end d'hier. Ça risque d'être plus long à arriver aujourd'hui. Salut Morgane. Salut ciel bleu. Est-ce que vous m'entendez bien? Pas de problème. Ok. Salut tout le monde. Bon, parfait. Je le reçois. Hop. Tac. Je mets tout en muet. Que personne me dérange. Ok. Bon. Ok. Alors déjà, vous allez pouvoir voir derrière moi que mes collègues des précédents lives m'ont rejoint. Donc à vous de voir les différents clins d'œil que j'ai pu mettre. Si vous êtes assez actifs et que vous suivez tous et tous tous les lives, vous pourrez reconnaître un peu les différents clins d'œil que j'ai pu leur faire. Ciel bleu, c'est une famille, hein. Le but, c'est d'être tous ensemble. Donc malgré ce confinement, on reste ensemble, on reste proches. Bah aujourd'hui, on va se retrouver donc pour une séance de sport, comme vous pouvez le savoir. Avant tout, j'espère que vous êtes chaud, que le week-end s'est bien passé, quand même, malgré tout. Voilà. Bon. 74 personnes, ça reste convenable. Je pense que c'est à peu près la moyenne des personnes qui sont là. Donc on va pouvoir commencer. Donc déjà depuis, vous le savez tous, depuis 22 ans, la mission de Ciel Bleu, hein, c'est d'accompagner les plus fragiles, quelle que soit la situation géographique et financière. Aujourd'hui, avec le contexte actuel, à cause de l'épidémie, hein, du Covid-19, cette saloperie de maladie, on va dire, Ciel Bleu a été contraint de suspendre ses activités. Donc on ne peut plus aller sur le terrain, on ne peut plus aller auprès de nos bénéficiaires. Donc le but, c'est de pouvoir essayer de continuer malgré tout. Donc on ne s'arrête pas, on continue nos efforts. Ensemble, avec vous, on peut continuer à bouger et propager de la bonne humeur et du sourire. Donc si vous voulez nous aider à soutenir Ciel Bleu pour qu'on reste à flot et qu'on puisse de nouveau être là d'ici quelques mois, d'ici quelques semaines, on a créé une collecte de dons pour que les 700 salariés de Ciel Bleu puissent continuer à exister d'ici quelques mois. Donc vous avez le lien dans la description de cette vidéo si vous souhaitez nous aider. Voilà, donc aujourd'hui, j'espère que vous êtes chaud. On va faire du renforcement musculaire. Vous n'avez pas forcément besoin de matériel. On n'a pas besoin, hop, on n'a pas besoin de matériel aujourd'hui.
Voilà. Bon. Donc, on va commencer. Comme tout échauffement musculaire, enfin comme toute séance de sport, on va faire un réveil musculaire. Bon, je sais qu'il est 14h, donc il y en a certains peut-être qui viennent de se réveiller quand même, parce que bon, avec ce confinement, il y en a qui dorment longtemps et il y en a qui se couchent tard. Donc on peut grâce à eux faire un réveil musculaire. Bon, pour nous qui nous levons assez tôt, on peut quand même en faire un parce que c'est important de pas se blesser. Donc on va commencer par la tête. Donc le premier exercice, on va venir tourner la tête de droite à gauche. Je vous invite à le faire. Le but, c'est pas d'aller trop vite, pas d'aller trop loin. Si ça craque, c'est un peu normal. Le week-end est passé, on n'a pas bougé beaucoup. Faut pas avoir peur. Ça se déroule. Donc de droite à gauche, on va chercher l'étirement musculaire au niveau du cou. Très bien, on va changer de mouvement, on va aller de haut en bas. Donc pas trop haut, hein, à peu près 45 degrés. Et par contre, on a le droit d'aller regarder bien bas. On essaie de bien rester le dos droit. Faites pas comme moi, on s'avachit pas sur le canapé. Alors, de haut en bas, on rentre bien le menton quand on arrive en bas. On va chercher le plus bas possible, faut que ça tire derrière. Pas trop non plus. Le but, c'est pas de rester coincé. Super. Et maintenant, on va venir incliner à gauche et à droite, comme si on voulait aller faire toucher l'oreille sur l'épaule. Allez, de droite à gauche. On va chercher. Si ça craque, ne pas d'inquiétude. Très bien. Allez, hein, je ne dois pas te voir de commentaires normalement. Hein. Tout le monde doit faire l'effort de bouger un petit peu. On n'est pas là pour écrire, on est là pour regarder, pour faire l'exercice. Très bien, on relâche. Maintenant, on va venir lever les épaules. Hop, on en profite. Il n'y a plus d'école. On peut hausser les épaules. La maîtresse, elle n'est pas là pour dire qu'on n'a pas le droit. De haut en bas. On essaye de garder le dos bien droit. Super. Et maintenant, on va faire une épaule après l'autre. Ok, on va venir tourner un peu les épaules. On réchauffe un peu les bras. On réchauffe un peu les épaules. Ok. On va venir tendre les bras sur le côté et on va venir pousser à droite et à gauche. À droite et à gauche. Donc tous ces exercices-là, vous pouvez les faire soit debout, soit assis. Moi, j'ai choisi de le faire assis et vous verrez que je resterai assis quasiment toute la séance parce que la gym peut se faire aussi assise. Hop, de droite à gauche, on réchauffe la taille. Très bien, on relâche. Donc normalement vous êtes assis, on va venir tendre la jambe droite, puis la jambe gauche. Bon, j'ai pas assez de recul, vous voyez pas. Si je me lève un peu, on tend la jambe droite, puis la jambe gauche. La droite, puis la gauche. D'accord? Donc si on est assis, on vient juste fléchir les jambes. On vient faire des flexions de jambes. Si on est debout, bah on se met debout et on fléchit sur ses jambes. D'accord? Les jambes, les mains bien sur les genoux. Et on souffle bien. Ok, super. Je vais baisser un peu la caméra pour que vous voyez un petit peu plus bas. Je suis désolé, la banane. Je suis désolé, Mohamed Ali. Hop. Super. Hop, donc, on va venir tendre la jambe et on va tourner la cheville droite. Allez, je sais que je suis un miroir. On fait quand même la droite. On ne se trompe pas. Je sais parmi vous qu'il y en a qui se trompent.
Je vous vois déjà. Très bien. On fait l'autre jambe, la gauche. On tourne la cheville. Très bien. Super. Alors, bon, on a réveillé un peu toutes les articulations. Non, on n'a pas fait les bras, les mains. Allez, on tourne les poignets. On va réviser les gestes barrières tous ensemble. J'espère que vous savez bien vous laver les mains comme il faut. On va voir ça. Donc on a tourné les poignets. Alors on va apprendre à se laver les mains. On va venir se frotter les mains, d'accord? De haut en bas. On se réchauffe les doigts, on se réchauffe les paumes de main. Donc ça va être hein, la façon de se laver les mains. Vous la connaissez peut-être maintenant depuis que on voit tous les spots publicitaires. Mais c'est pas que pendant le confinement qu'il faut faire ça. Normalement, il faudrait le faire tous les jours. Donc on a bien frotté les paumes de main. Maintenant, on va passer une main sur l'autre. Entre les doigts, on va venir se frotter la paume de main. Entre les doigts, à la main droite. Et on fait l'autre main, la main gauche. Entre les doigts. On passe entre les doigts sur les doigts. Ok, maintenant on fait le pouce. On se réchauffe le pouce. Vous pourrez pas dire que vous savez pas vous laver les mains après ça, hein. Et on fait l'autre pouce. Super. On va venir se frotter la paume de main avec le bout des ongles, avec le bout des doigts. Là, on n'oublie rien, hein. Les microbes ne nous auront pas. Et on fait l'autre paume de main. Bon, on n'appuie pas trop fort si on a des ongles, hein, on risque de se faire saigner. C'est pas le but. Qu'est-ce qu'on a oublié? On va venir tourner les mains l'une dans l'autre. Et enfin, le poignet droit, puis le poignet gauche. Très bien. Et voilà, nos mains sont toutes propres. Il faut se les essuyer. On se les secoue. On ouvre et on ferme les mains. On travaille sur la flexion et l'extension des doigts. Et on vient faire une main après l'autre. Maintenant, on réveille la tête. Fais un peu de coordination. Super. Et on relâche. Très bien. Alors maintenant qu'on s'est bien réchauffé un peu partout, on va venir se réchauffer le cœur. D'accord? On va faire un peu de travail cardiovasculaire. Donc pour le travail cardiovasculaire, je vous invite, pour ceux qui veulent le faire debout, à vous lever. Pour ceux qui veulent rester assis, on reste assis. Moi, je prends le choix toujours de rester assis. Je suis un peu feignant, vous le verrez. Donc voilà. Pour ceux qui sont debout, pour ceux qui sont debout, ouais, je vais vous montrer quand même, hein. Pour ceux qui sont debout, on se met debout, on va venir faire un pas chassé à droite, un pas chassé à gauche. Ok? Tout simplement. Commencez pas maintenant. J'ai pas fini mes explications. Vous risquerez de vous essouffler un peu vite. Le but, donc, ça va être sur la musique. De se réchauffer au niveau cardiaque. Donc il faut bien souffler, d'accord? Je vous le dirai de toute façon pendant les exercices. Et pour ceux qui sont assis, on va juste lever un genou après l'autre. OK? Et puis ensuite, je vous donnerai d'autres consignes durant l'exercice. Donc on va tous commencer. Je vais mettre la musique. Hop. J'espère que vous allez bien entendre la musique. Normalement, il ne risque pas d'y avoir de problème. Faut pas que ce soit trop fort et que ça couvre ma voix non plus. Est-ce que ça va? Je regarde vite fait les commentaires si ça va. Est-ce que vous entendez bien? Ah. Si je coupe, ça ne le fait pas. Vous entendez la musique? Vous entendez ma voix? Oui, ok, c'est parti. Ah, le balai s'est cassé la gueule.
Allez, on est parti, donc vous êtes prêts, vous connaissez le mouvement, donc de droite à gauche si on est debout et on lève les genoux si on est assis. Allez, c'est parti. On souffle bien. Le but c'est vraiment de réveiller le cœur. Donc on prend son rythme, hein. On n'a pas tous le même rythme. Le but c'est de tenir longtemps, donc allez pas trop vite. Ça va durer un petit peu quand même. Ok, on continue les jambes, hein, et avec les bras, on touche les épaules et on tend les bras devant. On continue de souffler. On essaie de synchroniser les jambes et les bras. On change les bras sur les côtés. On souffle bien. On relâche les bras. On continue les jambes. Les jambes ne doivent jamais s'arrêter. Donc si on est assis de haut en bas, si on est debout, de droite à gauche toujours. En pas chassé. Ok, les mains toujours de nouveau sur les épaules et on lève en haut, une main après l'autre. C'est un peu plus dur là. On souffle bien, on continue, on s'arrête pas. Bon ok, je vois qu'il y en a qui fatiguent un peu. On souffle, on relâche, on peut s'arrêter, on souffle bien. L'important, c'est la boisson. La boisson, je rappelle, c'est de l'eau, hein. On souffle, on peut boire un petit peu. Et c'est pas fini. Reprenez bien votre souffle, parce qu'on va repartir sur d'autres mouvements. Toujours un peu cardiovasculaire, j'espère que le cœur va bien. J'en ai pas perdu. Ok, on souffle bien. Allez, on est reparti. Alors cette fois-ci debout, on va changer un peu le mouvement des jambes. On va juste venir. Alors, on va juste venir faire talon-fesse, une fois à droite, une fois à gauche. D'accord? Donc on fait plus de mouvement, on fait juste droite, gauche, droite, gauche, d'accord? Et nous, sur les jambes, on va faire jeter deux pieds, d'accord? Comme si vous vous donnez un coup de pied aux fesses, au voisin d'en face. Ok? Et on va synchroniser ça avec les bras. Donc on est parti. Donc ceux qui sont debout, on lève une jambe après l'autre, talon-fesse. Ceux qui sont assis, on lève, on donne des coups de pied. Allez, c'est parti! On suit bien la musique, on essaye de suivre le rythme. Allez, on souffle bien. Je veux que ça transpire. On souffle, encore. Et maintenant, on va coordonner les bras. Donc, à chaque fois qu'on lève la jambe droite, on va venir lever le bras gauche. D'accord? Donc, toujours bras opposés à la jambe. On est parti. Sauf que, vous allez voir, va venir, hop, chercher sur le côté. Allez, toujours bras opposés à la jambe qui est levée. On souffle bien. On continue. Allez, courage. C'est bientôt fini, je vous rassure. Allez, encore. On tient. On garde le sourire. Ah, et là je suis reparti, encore dans les deux bras. Et on relâche, on souffle, bon, je vois qu'il y en a qui transpirent, c'est qu'ils ont fait l'exercice correctement, les exercices correctement. On souffle bien, on peut boire un peu. On va calmer un peu le cœur.
Allez, on souffle. Je vous laisse le temps de reprendre. Hop. Super. On souffle bien. Bon, ça va toujours. J'en ai pas perdu. Toujours au top. Ça marche. Bon, bah, on va continuer. Hein. On n'est pas là. On n'est pas là pour s'arrêter. On souffle, on récupère. On essaie de garder le sourire, en effet. Allez, on est reparti. Donc cette fois-ci, on va venir travailler un peu plus au niveau musculaire. On va vraiment faire du renforcement musculaire, maintenant qu'on a réveillé le cœur. Alors, le but, ça va être donc de faire sans matériel. Après, si vraiment vous voulez, vous pouvez aller chercher une bouteille d'eau, un manche à balai, comme vous voulez. Mais là, à la base, normalement, il n'y a pas besoin de matériel pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous laisse un petit peu de temps si vous voulez aller chercher des objets. Ça nous permet de souffler aussi un peu. Prends des grandes inspirations. Ok, bon, ça devrait être bon. On va pouvoir reprendre. Alors, le but, ça va être donc de travailler les épaules, les bras, les jambes, les abdos, les dorsaux. Tout ça en restant assis, bien sûr, parce qu'on peut faire du sport en étant assis. Donc, on va commencer par les bras, d'accord? Donc, on va tous venir tendre les bras devant, ok? Et on va venir croiser au-dessus, en dessous. On essaye d'aller assez vite pour donner un peu de cadence, pour donner un peu de vitesse. Allez, on souffle, hein. On souffle bien. On est parti. On est parti comme ça. Pour une demi-heure à peu près. J'espère que vous êtes chaud bouillant. Allez, on souffle bien, on continue. Allez, on essaie d'aller de plus en plus vite. Ça doit chauffer dans les épaules, ça doit chauffer dans les pectoraux. Et on relâche, on souffle bien. On tourne un peu les épaules. Encore une fois, vous pouvez le faire debout les exercices, hein. Il n'y a pas de problème. En tout cas pour les bras. Ok. On continue, on met les mains sur les épaules cette fois-ci. On essaie de bien garder le dos bien droit, de mettre les bras bien à l'équerre, bien à 90 degrés. Et on va venir lever, tendre bien le bras le plus haut possible, à droite, à gauche. Allez, toujours comme tout à l'heure, on essaie de mettre du rythme. C'est pour ça qu'il y a de la musique, hein. Ça va vous aider à vous caler sur le rythme. Allez, on souffle bien. Il fait beau aujourd'hui, on en profite. Allez, encore. Encore, encore, je sais qu'il y en a qui grimacent. On essaye de bien chercher avec les coudes derrière. Allez, on souffle. Super, et on relâche. Ok, on tourne un peu les épaules. On souffle bien. Là, on est vraiment en train de travailler dessus. C'est normal que ça chauffe un peu à ce niveau-là. Ok, on pose les mains bien sur les cuisses. On colle le coude à la hanche. On pose la main de droite et à gauche. Et on vient toucher une fois à droite, une fois à gauche. Les épaules. Travaillez les biceps. Donc là, vous pouvez mettre une bouteille si vous avez envie. Mais le but, c'est de le faire sans. On souffle bien. On travaille en endurance aujourd'hui. Et pas en puissance. Allez, on essaie d'accélérer un peu. On souffle. On continue. On tient. On relâche pas.
Et maintenant, on peut relâcher. Ok. On tourne un peu les bras. On tourne les épaules. On brasse de l'air. Ok. On souffle bien. On peut boire un peu. Allez, bien. On continue. Alors, on a fait un peu les bras, on va travailler les abdos maintenant. Parce que malgré le confinement, il va falloir quand même essayer de d'avoir un summer body, pouvoir draguer les filles sur la plage. Alors, on est parti. On vient mettre les mains à droite et à gauche des jambes. D'accord? Si vous êtes sur une chaise, on peut attraper les accoudoirs. Si vous êtes sur une chaise sans accoudoirs, on attrape le dessous de la chaise. Et on va venir lever les deux genoux en même temps. On va bien serrer au niveau des abdos pour pouvoir lever. C'est pas les cuisses qui travaillent, c'est les abdos. C'est les abdos qui vont vous permettre de vous lever les genoux. D'accord? On reste le dos bien droit. On peut même mettre les épaules en arrière. D'accord? Donc, pour ça, on va venir s'avancer légèrement sur la chaise. Hop, on va mettre les épaules en arrière. Et on va venir lever les deux genoux. On contracte bien les abdos et on lève. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On relâche, on souffle bien. On prend des grandes inspirations. Encore. Une dernière fois. Et on est reparti. De nouveau, les mains sur les côtés et on vient lever. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On relâche. Très bien, on souffle bien. Normalement, là, des abdos, vous devez commencer peut-être à les sentir un petit peu. On va venir bien étirer les bras. On inspire et on relâche, on souffle. Encore, on inspire et on relâche, on souffle. On étire un petit peu les abdos. Encore, on inspire, on va chercher bien loin derrière. Il faut sentir que ça tire légèrement sur les abdos. Et on souffle. Ok, super. On continue. On ne s'arrête pas en si bon chemin. On continue sur les abdos. Toujours les mains à droite et à gauche des jambes. On vient lever les deux genoux. Et on reste en équilibre. Allez, on souffle, on inspire. Allez, 1, 2, 3. Oh, j'ai pas commencé le début. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allez, on serre les mains, on serre les doigts, on serre tout le corps. Et on relâche. Très bien, on souffle bien. On fait du sport dans le sourire, dans la bonne humeur. Le but, c'est de faire ce qu'on peut, hein. Si vous ne faites pas tous les exercices, c'est pas grave, vous ferez mieux la prochaine fois. À force de nous suivre, au bout d'un moment, vous allez devenir très sportif. Et puis tout le monde fera les JO. Allez, on est reparti. Les mains de droite à droite et à gauche des genoux. On vient lever les deux jambes. On reste en équilibre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, allez, on souffle, on tient. Et on relâche, super. On souffle bien. Comme tout à l'heure, on inspire, on lève les bras. Et on relâche. Encore. Et on relâche. On inspire, on tire bien. Et on relâche. Super, on souffle bien, on peut boire encore un peu. On va changer deux groupes musculaires. On a fait les épaules. On a fait les abdos. On va passer aux cuisses. Alors, pour les cuisses, très simple. Comme tout à l'heure, on va venir donner des coups de pied de droite à gauche. On va faire plusieurs exos. Donc, on va venir bien s'asseoir dans le fond de sa chaise. Le dos bien droit. Et on va venir tendre une fois la jambe droite et une fois la jambe gauche.
Hop, allez, c'est parti. On donne des coups de pied à droite et à gauche. On souffle bien. On tient la cadence. Allez, courage. Allez, on continue. On essaye de lever bien haut. Et dès que je dis top, on va laisser la jambe tendue. Allez, top. On laisse la jambe tendue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on la lève, on la lève. 7, 8, 9 et 10. On est reparti. Droite, puis gauche. Allez, on souffle bien. Allez, on travaille. Courage. Même ceux au fond de la classe là-bas, je vous vois. On souffle bien. Et top! Allez, on tend la jambe, on essaye de bien lever le pied. Le but, c'est de travailler la cuisse. Hein. Si ça tire derrière, c'est normal, c'est qu'on n'est pas très souple. On souffle bien. Allez, on continue. On tient, on tient, on tient. On continue, on souffle. Et on repart. Allez, droite puis gauche. Toujours. Et top! On laisse la jambe en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on est reparti. Allez, on souffle bien. Encore. Très bien. Top. Allez, courage. 5, 8, 10, on est reparti. Top. On est reparti. Ha ha. Top. On est reparti. Et on relâche. Ok, on souffle bien. Alors, on va faire exactement le même exercice. Sauf que cette fois-ci, au lieu de lever les pieds, on va lever les genoux. D'accord? Comme tout à l'heure, comme sur l'échauffement cardiovasculaire. On va venir lever une fois le genou gauche, une fois le genou droit. D'accord? Et quand je dis top, bah, on laisse la jambe en l'air, en l'air. Allez, c'est parti. Le dos bien droit, on se positionne bien dans la chaise. Le but, c'est pas d'être arraché, de pas se faire mal au dos. Et on vient lever le genou droit, puis gauche. Allez, on continue. On essaye de bien lever le genou, droite, gauche. Allez, c'est parti. Top! On laisse le genou en l'air. Allez, encore, 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 on tient. Et on est reparti. Droite, puis gauche. Super. Allez, on souffle, on continue, top. Allez. C'est super ce que vous faites. On continue, encore. Allez, top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on repart. Allez, courage. Et on lève la jambe, top. Et on repart. Top. Et on repart. Top. Et on repart. Top. Et on relâche. Ok. Super. On souffle bien. On peut aller boire un peu. Super. Allez, on souffle, on relâche. On prend le temps de bien boire. L'hydratation est importante. Vous le savez tous. Vous le savez mieux que moi. Ok, on va continuer sur les cuisses parce qu'elles n'ont pas encore assez souffert. Alors, le prochain exercice, le dernier exercice pour les cuisses, on va venir se lever et s'asseoir, tout simplement. Donc, le but, ça va être de faire des squats, mais des squats en se levant de la chaise, d'accord? Donc, pour ceux qui arrivent, le but, ça va être, donc,
de ne pas toucher la chaise, de ne pas toucher là où vous êtes assis, d'accord? Donc, avec la vitesse du haut du corps, on va essayer de se lever, ok? Donc, le but, c'est de basculer le buste d'avant en arrière et de profiter de cette vitesse pour pousser dans les jambes, d'accord? On va essayer de bien se lever bien droit, le plus haut possible. On se lève, tout simplement, et on va venir s'asseoir, se rasseoir. Ok? On va faire ça 10 fois. D'accord? On fait des séries de 10. Alors, j'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous avez bien tous récupéré. Eh oui. Je vois qu'il y en a qui sont tristes que ce soit autant, mais c'est comme ça. Allez, il n'y a plus de musique. Faut que je remette la musique. Hop. Allez, c'est reparti. Vous êtes prêts? On est parti. Donc, on essaie de ne pas se tenir. Si on n'y arrive vraiment pas, on se tient à la chaise et on s'aide avec les bras, on se pousse, hein. Pas de souci. On fait comme on peut. On a chacun des capacités différentes. Allez, c'est parti. Donc, avec le haut du corps, on peut mettre les bras en avant pour avoir un peu de style. On vient chercher loin derrière et on se lève. Un. Et on se rassoit les fesses d'abord. Hein. Deux. Encore. Trois. Encore. Quatre. Super. Cinq. Très bien. Six. Encore. Super. On est à huit. Allez, il en reste deux. Neuf. Et 10. Très bien. On souffle bien. On relâche. Ben vous voyez, vous les avez fait. Allez, on souffle. Ok. Et comme vous avez bien travaillé, on va pouvoir le refaire. Et oui. Donc, pour le refaire, deuxième consigne, quand on va s'asseoir, on va essayer d'y aller très lentement. Le plus lentement possible, d'accord? Pour travailler aussi derrière les cuisses, les ischio-jambiers. Ok. Alors on est parti, on va venir refaire la même chose 10 fois, mais s'asseoir le plus lentement possible. Si vous êtes plusieurs à le faire chez vous, celui qui a gagné, c'est celui qui s'assoit en dernier. D'accord? Ce sera à lui de faire la vaisselle. Allez, on est parti, on se lève, un, et on se rassoit lentement. Le plus lentement possible. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient et on s'assoit. Très bien. Allez, on est reparti. Deux. On se lève et on s'assoit lentement. On tient, on tient. Les fesses bien vers l'arrière, le dos bien droit. On continue à s'asseoir lentement. Et ça fait deux. Encore. On se lève et on se rassoit lentement. Allez, le plus lentement possible. On souffle bien. Très bien. Trois. Encore, on se lève et on s'assoit. Allez, faut que ce soit au ralenti. Allez, encore, 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 on tient, on tient, on tient, on tient. Ok, super, encore. On est à 5, 4, 5, je sais plus. Allez, on se lève encore. On s'assoit. Lentement, lentement. Je ne veux pas vous voir écrire à combien on est. Allez, encore. Hop, on s'assoit. Encore lentement, super, 6. Allez, il en reste 3. Allez, encore. Il en reste 2, courage. Encore, on se lève, on se rassoit lentement, lentement, lentement. Et le dernier, le plus lentement possible. Allez, on souffle, encore, on tient, on tient et on s'assoit. Super, on souffle bien. Très bien. On peut boire. On souffle, on récupère. Normalement, là, les cuisses, elles ont bien travaillé. Ok, super. Très bien. Et on va faire un dernier mouvement pour travailler un peu le dos. D'accord? Pour ce mouvement-là, je vais faire un clin d'œil
à mon interrégion, à ma grande région ouest, puisque je sais que ce matin, il y en a qui ont eu de la neige. Donc du coup, on va venir se protéger un peu. Et le froid c'est assez compliqué, même si ici en Normandie, on a un grand soleil aujourd'hui. Alors, donc on met les deux mains sur les genoux, d'accord? On va venir chercher avec la main droite le plus haut possible et on va venir toucher le pied gauche, d'accord? Donc on va travailler le dos. Donc on va chercher le plus haut possible avec la main droite et on vient chercher loin devant le pied gauche et on se redresse. Allez, c'est parti. 2, 3, 4, 5, on se redresse bien, on va chercher le plus loin possible. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, on relâche. Ok, super. On souffle bien. Et on va faire la même chose avec l'autre main. On lève la main gauche et on va toucher le pied droit. Allez, on va toucher le plus bas possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on continue. 11, 12, 13, 14 et 15, on relâche. Très bien, on souffle bien. Donc là, on travaille bien, évidemment, le dos. On essaye de garder le dos bien droit pendant l'exercice. Le but, c'est pas de se courber, c'est de se muscler. On souffle bien. Allez, courage, il reste un exercice et puis après, on va pouvoir passer aux étirements. Ok. Allez, dernier exercice. Donc, la même chose, mais une fois à droite, une fois à gauche. Et on fait ça 15 fois de chaque côté. Donc, ça fait 30 en tout. Allez, courage, c'est la dernière. C'est la ligne droite, on voit la ligne d'arrivée. On donne tout pour la fin. Allez, sans se blesser, bien entendu. Allez, on lève bien la main droite, on commence main droite, pied gauche. On est parti. 1, on se redresse, on change de bras. 2, on se redresse, on change de bras. 3, super. 4, encore. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, on a fait la moitié, courage. 16, 17, 18, 19, 20, il en reste 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, allez, et le 0. On souffle bien, super. Bon, ça fait transpirer quand même, hein. Allez, on souffle bien. On récupère, on garde le dos bien droit. On peut revoir un petit peu. Alors, l'important, c'est de boire pendant l'effort, mais aussi beaucoup après l'effort. Pour éviter d'avoir des courbatures après l'effort, c'est important de boire après l'effort. Ok, super. Très bien. On va passer aux étirements. Alors, je vous laisse souffler, récupérer un peu. On souffle bien. Hop. Et on va changer de musique. Pour les étirements, ce sera mieux.
Très bien. Bon, j'espère que ça vous a plu. Restez là, hein, c'est pas fini. On va venir souffler un peu. Allez. Ok. On souffle bien. Prends des grandes inspirations. On inspire, on gonfle le ventre. Et on relâche. Encore. Ok. On va venir tendre la main droite devant. Avec l'autre main, on attrape le bout des doigts et on va tirer sur le bout des doigts. On fait bien rapprocher les doigts vers nous. Ça va étirer dans le poignet, dans le bout des doigts, dans l'avant-bras. On souffle bien. Pour ceux qui ne peuvent pas tenir devant, on vient fléchir, on pousse devant, hein, et on tire quand même sur le bout des doigts. Ok, on relâche, on fait la même chose de l'autre côté. Main droite sur le bout des doigts, on tire sur les doigts. Laisse un peu de tête. Ok, on tire bien les doigts. Et on fléchit, on pose sur la jambe. Très bien, on relâche. Ok, on joint les deux mains. On va venir lever les deux coudes et on appuie sur les doigts. On tire sur les poignets, on souffle bien. Et on relâche. Très bien. Main droite sur l'épaule gauche. Main gauche sur le coude. Et on va pousser sur ce coude pour faire glisser la main dans le dos. On va essayer de se gratter le dos. On se fait un gâté, comme on dit chez nous. On souffle bien. On relâche. Et on fait l'autre main. Main gauche sur l'épaule droite. Main droite sur le coude. Et on appuie sur le coude. Allez, on souffle bien, on se redresse. Très bien, on relâche. Ok, super. On va venir maintenant s'étirer au niveau des abdos. On va venir tendre les bras le plus haut possible. On imagine qu'il y a un fil qui tire les doigts vers le plafond. On tire, on tire, on tire, on tire. On vient chercher bien derrière. Ça tire dans le dos. Et on relâche, on souffle. Très bien. Encore. On inspire, on tire, on lève les bras. Et on souffle. Allez, encore. On attrape les deux mains, hein, ça va nous aider à tirer les bras le plus haut possible. Et on relâche. Allez, une dernière fois, on inspire. Et on relâche. Ok, super. On met les deux mains sur les épaules, on lève les coudes et on va chercher loin derrière sur la droite. Et on relâche et on va chercher sur la gauche. Et on relâche. Très bien, encore une fois, de chaque côté, ça va tirer dans le dos, droite et gauche, et on relâche. Ok, super. On va tirer un peu les jambes, on va venir s'avancer le plus possible sur la chaise, on ne tombe pas, bien évidemment, on tend les jambes devant, on inspire, on met les mains sur les genoux, et on souffle, on va chercher loin devant, ça va tirer dans les cuisses. Allez. Heureusement que vous ne voyez pas mes pieds, sinon vous verriez que je touche même pas les pieds. Mais c'est pas grave. Le but c'est de bien tendre les jambes. Le but c'est pas d'aller toucher ses pieds, c'est que ça tire derrière les cuisses. On inspire, on se redresse. Et on est reparti, on souffle. On va chercher le plus loin possible. Félicitations à tous ceux qui arrivent à dépasser la pointe des pieds. Et on relâche. Ok. Une dernière fois, cette fois-ci, on va venir croiser le pied droit et le pied gauche. On va même mettre le pied droit sur la pointe de pied gauche, comme ceci. On pose au sol. On va chercher le plus loin possible avec les mains. Allez, ça tire, c'est normal. On grimace avec le sourire. Et on relâche. Et on fait la même chose de l'autre côté. Le pied gauche sur le pied droit. On pose loin devant et on va chercher loin les pieds. On souffle bien. Super, et on relâche. Très bien. On peut se rasseoir, on récupère, on souffle bien.
Et bravo à tous. Moi, je vous applaudis parce que vous avez fait une super séance, je suis sûr. Même si le confinement oblige, ça aplatit bien les choses. Hein. Bravo à tous. Félicitations. Et puis, je vous dis à demain pour ceux que je verrai sur le chat. Bonne journée, bonne fin de journée à tout le monde. Au revoir. Allez, c'est la fin. Bravo à tous.